سل عاشق هواك سريج فكموت وردار حياته إلي سرين عديد نهواك يا غزالي قصة chanteuse et musicienne de musique arabo-andalouse et les dérivés de cette musique, le haouzi, le arabe et bien sûr le chaabi algérois. Je chante aussi le malouf, dans le malouf constantinois. Ça fait déjà 13 ans que je vis en France. À l'époque, j'étais en Algérie, j'ai quitté l'Algérie, je me suis installée en France et j'ai eu la chance d'écouter beaucoup de musique du monde, musique flamenco, des Gypsy Kids, Radio Tarifa. Et là, j'ai écouté beaucoup de sonorités, de nouvelles sonorités. Je me suis dit pourquoi pas d'essayer d'intégrer ce genre de sonorités dans ma musique arabo-andalouse que je pratique actuellement. À la base, j'ai appris que cette musique arabo-andalouse. Mais j'ai des parents fans de cette musique et aussi j'écoutais beaucoup de la musique orientale, Oum Kulthoum, Farid al-Atrash, et bien sûr la musique européenne, typiquement surtout français, Jacques Brel, les grands de la musique française. La Nouba que j'ai enregistrée, que je présenterai en première partie de mon album, elle a en fait deux particularités. La particularité où c'est l'Estikhbar, où j'ai fait une déclamation, cette déclamation qui n'a jamais été faite dans un enregistrement de Nouba. Et la deuxième particularité, c'est que cette Estikhbar, je l'ai volée à un grand poète de l'Andalousie médiévale, qui s'appelait à l'époque Abu Zamrar, qui est devenu par la suite le vizir du roi. Et donc ces poèmes, ces écrits ont été repris par Al-Hajjaji rahimahullah. Mon but, c'est de faire voyager cette musique arabo-andalouse au-delà du Maghreb et au-delà de la France, en introduisant des instruments comme une mandoline napolitaine, voilà, un violon européen, c'est-à-dire en écoutant des subtilités de chaque instrument. En sachant que la musique arabo-andalouse, spécialement la Nouba, c'est une musique monophonique, moi j'essaye plus ou moins de la rendre polyphonique.